Bonjour et bienvenue. Je voulais vous montrer un peu en fait ce que j'ai fait des tests en, en regardant un peu internet et tout ça. J'en avais parlé la première fois que j'avais fait la menthe. Euh, donc je voulais la faire à ma façon. Alors c'est pas optimisé au max honnêtement. Hein. J'ai pas encore genre, les armes niveau 9 et tout ça. Là on a une poignard en frais et tout. On devrait pas. Mais euh, après la, la mise à jour et tout ça, j'ai voulu faire des, des, plusieurs tests. Donc, on a deux parties de la veuve, on a le masque et la dague. Euh, je vais vous montrer, je pense, des, des, euh, des ralentiers en fait par rapport à sa vie, parce que c'est compliqué de regarder la vie quand, quand on combat. Mais en gros, j'ai utilisé différents types de poisons en fait. Donc, on a les flèches super venimeuses, on a les flèches venimeuses, on a le masque et on a aussi euh, l'équipement de la veuve en fait qui fait du poison sur la parade. Donc et bien sûr la dague en, en plus. Donc en théorie tout ça en fait va faire un poison. C'est-à-dire que même si tout ça en fait s'appelle poison, chaque euh, poison qui vient d'une différente partie, donc euh, que ça soit une arme, que ça soit un équipement et tout ça, compte pour un. Donc euh, en gros je dote au maximum la, la menthe euh, et bah, voilà ça a l'air d'aller assez vite le combat euh, honnêtement. Euh, le, le, le super venin par contre fait super super mal, j'ai remarqué, euh, j'ai à peine que 10 flèches euh, parce qu'il faut aller farmer les veuves noires, c'est un peu relou et tout ça. Mais euh, je l'ai... Ouais, le, le, le venin fait très 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 mal, je sais pas s'il est boosté par ça, par euh, la veuve, hein, avec les dégâts de poison, mais euh, vous mettez une flèche, ça enlève, euh, genre, genre avec le temps, avec le dot, ça va très vite et ça enlève genre un, un, une barre de, de la vie de, de la menthe c'est un peu abusé. Euh, donc voilà donc c'est comme ça que le build euh, fonctionne. Euh, J'ai utilisé ça encore une fois. Je ne sais pas si c'est vraiment très très optimisé. J'ai le, 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 le saignement, pardon. Euh, le saignement, je ne sais pas si ça fonctionne sur elle, mais je l'ai mis au cas où. Après, je fais apparaître des petites araignées comme, parce que ça fait, euh, bah, ça fait des petits des petits des, des petits dégâts quoi. Euh, et après, on a l'étranger étran, aussi. Euh, bon, il n'est pas apparu cette fois, mais euh, des, des fois ça arrive et ça, ça fait pas mal de dégâts. Et bien sûr, euh, critique. Euh, donc, euh, ouais. Après, j'avais ma nourriture, santé max, résistance aux dégâts. Et après, j'avais des potions aussi, genre attaque plus et régène, je crois. Et c'est tout à peu près. Euh, mais voilà, je pense que c'est. Alors, c'est pas facile, honnêtement. C'est vraiment pas facile. Euh, il faut apprendre le pattern et tout ça, mais euh, ouais, c'est un build potable, honnêtement. Après, on peut l'améliorer. Hein. La menthe, elle est euh, faible contre le salé, donc à la limite, vous pouvez faire une dague de la veuve en salé. Alors, la dague, elle a, depuis la mise à jour, en fait, ils ont baissé les dégâts de la dague, donc j'avoue que c'est un peu embêtant, mais à la limite, je pense qu'une dague normale, en fait, genre. Euh pas en frais pas avec des éléments en fait juste en puissant voilà puissant euh, je pense que c'est mieux je vais peut-être même en refaire une moi personnellement euh, je pense de dague de la veuve et la mettre en puissant mais euh, mais voilà je voilà si ça peut aider c'est un build comme ça il y en a beaucoup qui font un peu le, le, du même type avec du poison et tout ça mais moi j'ai voulu en fait faire euh, faire mon style de poison euh, avec des flèches et tout, euh, donc ça marche bien. Ça marche bien pour euh, bah ouais, ça, ça, marche très très bien. Euh, donc voilà, ce sera tout pour cette petite euh, vidéo. Je vais encore un peu la farmer quelques fois, euh, mais, euh, mais ouais, c'est plutôt économe et tout. Ça demande pas beaucoup de soins euh, si vous esquivez bien et que vous, vous connaissez en fait le pattern. Ça, ça se passe bien. Ça se passe bien. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.